Tout à fait autre chose. Les dunes de Merzouga seraient-elles victimes de leur succès? En tout cas, plusieurs associations ont décidé de hausser le ton pour dénoncer les atteintes portées à l'environnement par les véhicules tout-terrain. Désormais, les touristes sont appelés à délaisser les chevaux polluants de leur 4x4 au profit des chameaux élevés dans la région. Samia Harissi, Omar Ajrali. Entre les circuits touristiques de véhicules tout-terrain et les randonnées en quad, les dunes de Merzouga se transforment en véritable circuit automobile. Une nuisance sonore, mais surtout un danger réel de pollution pour l'environnement du site. Les gens adorent faire du quad sur les dunes pour prendre des photos, monter jusqu'au sommet pour admirer les oasis. Nous venons ici pour conduire nos clients, leur faire faire des randonnées dans les dunes, mais nous évitons de les faire monter au sommet parce que le sable y est fragile. Ce conducteur ne croit pas si bien dire, le risque de pollution est réel pour tout l'écosystème de la région. Et tous les agents de location de véhicules semblent en être conscients. Nous faisons en sorte de ne jamais nous éloigner quand nous organisons des circuits avec nos clients. Nous évitons de trop laisser de traces et de déranger les randonneurs à pied qui recherchent la tranquillité. Dans une zone touristique comme celle-ci, il faut sensibiliser ces conducteurs de véhicules tout-terrain et de quad pour protéger l'environnement et le sable des dunes. C'est justement le message que l'association de protection de l'environnement de Merzouga s'escrime à faire passer. C'est un appel que nous lançons à tous les responsables pour qu'une législation relative à la défense de ce site soit adoptée et pour que l'usage des quads soit réglementé. Ce qui se passe actuellement pourrait faire fuir les touristes qui ne sont pas habitués à de tels comportements. Les balades à dos de chameau restent la meilleure alternative pour sillonner les 600 km² de désert autour de Merzouga, en toute sécurité pour l'environnement de ces dunes de sable d'or. Fin de cette édition. Dans un instant, votre soirée ciné avec Kevin Costner dans Apparition. Le retour de l'info, c'est...